Bonsoir à tous. Pardonnez-moi, j'étais en train de m'adonner à mon loisir préféré, la guitare. Écoutez cette musique. C'est dingue, hein? Ça continue à jouer tout seul. On pourrait presque croire que c'est moi qui a fait la bande sonore. Et oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, regardez ça. On est sur Super Mario Odyssey. Eh ouais, il est là. Regardez ça, c'est un truc de malade. J'ai même la cascade qui va avec. Avec ça, mon vieux, si je suis pas dans la peau du personnage, je comprends plus rien. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes sur Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Et franchement, what? J'ai déjà pris une fleur. Oh putain, mon vieux. Alors, on n'est pas parti pour un let's play, pas du tout. C'est juste une petite vidéo comme ça, histoire de vous montrer le jeu. Parce que franchement, de mon côté, je l'ai déjà bien torché. J'en suis au monde, je sais plus combien, au 9e ou 10e monde, je crois. J'en suis au monde de la mer. Et là, je vais prendre la petite note de musique. Regardez, c'est un truc de fou. Tout est bien pensé dans le gameplay. Tu prends ton petit chapeau, tu prends la fleur. Et là, tu fais demi-tour, mon vieux. Et tu fais pas comme moi. Non, ça, je vais prendre. Voilà, petit checkpoint. Attendez, attendez, on la retente. Voilà, comme ça. Et c'est parti. Vas-y, c'est parti. Oui, 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 oui. Oui. On les a. Et une petite lune. Oui, parce que maintenant, ce ne sont plus des étoiles ou bien des soleils. En l'occurrence, dans Super Mario Sunshine, là, on va ramasser des lunes. Vous gagnez une lune. Course aux notes sur la surface. Yes. C'est cool, ça. Alors, franchement, je vous dis, les gens, pour moi, le meilleur Mario Bros qui est sorti, c'est Super Mario Bros Sunshine sur la GameCube. Vraiment, c'était mon préféré. Après, il y a celui-là maintenant qui relève le niveau. Il est vraiment super bien pensé. Il y a beaucoup de phases de gameplay qui vous font rappeler un petit peu tous les Mario. Il y a du Super Mario Bros Sunshine, il y a du Super Mario Galaxy, il y a du Super Mario sur la Nintendo, la toute première, la NES pour ceux qui ont connu. Il y a vraiment plusieurs phases de gameplay et ça, c'est vraiment super cool. Avec notre casquette magique, regardez, je vais vous montrer un truc. On peut contrôler à peu près n'importe quelle bestiole. Voilà, par exemple, là, j'ai envie de prendre un calamar. Je prends mon petit calamar et je vais me promener tranquillement au calme. Et ça, c'est vraiment super bien pensé. Attends. Bonsoir, mon petit bonhomme. Attends, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ne me touche pas. Alors, comment ça? Hein? À mon avis, il y a des trucs à planter dans les pots, je pense. Alors là, les gens, je vous spoile pas, je vous prends en plein milieu du jeu. Comme ça, si vous comptez le faire, eh ben, vous êtes pas spoilé. Vraiment, il est génial. J'ai déjà passé quelques heures de jeu dessus. Alors, hop, vas-y, tac. Voilà, dégage-toi. Voilà, prends ça dans la gueule. Par exemple, regardez. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, ça c'est pour moi, merci. Alors oui, j'ai déjà quelques heures de jeu dessus, donc pas non plus des grandes heures de jeu, hein. Des fois, dès que j'ai un moment, comme ça, je me fais une petite partie et tout. Donc c'est plutôt cool. Ouh, là, il y a un truc. Là, il y a une lune. Un petit trésor. Ouh! Prends... Prends ça dans la gueule, mon vieux. Ah, des fois, il y a une petite surprise comme ça, mon vieux. C'est chaud, hein. Et là, donc, pour ceux qui auront déjà vu ce niveau, soit parce que vous l'avez déjà fait dans votre partie, soit parce que vous l'avez vu en vidéo ou quoi, j'ai battu le boss du pays de la mer. Donc, voilà, j'ai tout niqué. En fait, j'ai fini ce monde-là et maintenant, il faut que j'aille à un nouveau monde. Mais du coup, j'ai pas envie de me précipiter. Non, 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 non. Moi, j'ai envie d'aller chercher des petites lunes. Tiens, je vais aller faire une petite partie de volée contre lui, là. À mon avis, il veut me chauffer. Lui, il a envie de me chauffer. Vas-y, c'est parti. Allez, vas-y. Va... Merde. Je me suis loupé, non? Ah non, je l'ai eu, je l'ai eu. Oui, ça c'est beau. Regardez, je me permets même une fantaisie, là. En salto arrière. Allez. On accélère. Vas-y. Pas de problème, si tu veux. Alors, les gens, faut savoir que moi, vraiment, un Mario Bros. Salopard, va. On va se la refaire. Un Mario Bros que j'ai vraiment pas trop aimé. D'ailleurs, j'y ai pas spécialement joué. C'est les Super Mario Bros Galaxy. Il me semble qu'il y a Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2. Je suis même pas sûr. Mais vraiment, j'ai pas kiffé. Voilà. Ceux-là, ils me disaient trop rien. Pour moi, je vous dis, le meilleur, c'était Sunshine. Vraiment excellent si vous ne l'avez jamais fait. Oh putain, il accélère le salaud, hein. Allez, je me permets. Pas de fantaisie, pas de fantaisie. Une petite fantaisie, on accélère? Vas-y, on accélère. Allez, viens, viens, je t'attends. Allez, hop. En salto arrière, loupé. Allez, vas-y, reste trois coups, il reste trois coups. Oh putain, il accélère. Il accélère, le salaud. Encore deux coups. Allez, je le rate pas. Oui, j'ai la lune. Si la balle arrive trop vite, lance-la moi pour la renvoyer. Ah oui, bah oui, putain, j'aurais pu jouer avec le chapeau. Non, mais c'est pas grave, c'est bon, vas-y. Tiens. Ah oui, je pouvais faire comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave, vas-y, joue tout seul. Moi, je prends la lune, c'est juste ça qui m'intéressait. Alors maintenant, en fait, je vous explique un petit peu l'histoire de Mario, de ce Mario-là. C'est un petit peu comme tous les Mario, hein. Bowser a encore une fois de plus enlevé la princesse Peach. Vous connaissez le speech. Et du coup, cette fois-ci, Bowser veut organiser son mariage avec la princesse Peach. Et du coup, Mario, une fois de plus, doit arrêter Bowser à bord de son Odyssée. Et l'Odyssée, à chaque fois, pour la faire décoller, il faut ramasser des lunes pour voyager de monde en monde. Parce qu'en fait, il faut faire le plein de l'Odyssée. Eh ouais. Et donc, voilà, c'est ça l'Odyssée. C'est pour ça qu'on l'appelle Mario Odyssey. Bon. Ouh, j'ai pas été ici. J'ai pas été ici, on va aller là-dedans. Alors mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un trésor ici, mais il est trop bien caché. Tes yeux suffiront pas pour le trouver. Ok, alors en fait, il faut voir avec la manette vibrante. Là, c'est pas mal au niveau du gameplay. Si vous voulez, plus la manette est vibre... Merde, excuse, mon petit bonhomme. Plus la manette est vibre,
plus je suis proche du secret. Donc là, voilà, je me balade un petit peu. C'est pas par là. À mon avis, c'est quelque part par ici. Ça doit être là, je pense. Je pense qu'il est ici. Ouais, yes. Vous voyez? Je ressentais les vibrations dans ma manette. Ah, ça, c'est cool. Il y a vraiment des petites phases de gameplay comme ça qui sont bien sympas. Je voudrais bien essayer de vous montrer un petit peu une phase de gameplay de l'ancien Mario. Vraiment, c'est super bien fait. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, dans ce Mario Bros, il y a un petit peu tous les Mario mélangés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, vous allez tout savoir. Alors, bien entendu, je veux pas trop vous spoiler sur le jeu si vous comptiez le faire. Mais dégage, toi, mon vieux. Voilà, par exemple, lui, regardez. Je peux prendre le contrôle. Voilà. Et je peux faire une tour, par exemple, de Goomba, comme ça. Et des fois, ça peut servir de faire des tours de Goomba, en fait. Si vous voulez, des fois, il y a des lunes en hauteur, on peut pas les attraper. Et ben là, par exemple... Casse-toi, toi. En faisant comme ça, c'est nickel. Regardez, lui, je vais le choper. Vas-y, viens là, toi. Viens ici. Voilà, yes. Et par exemple, je peux faire des super sauts, normalement, comme ça. Ouais, bon, bah là, je suis pas assez grand pour monter. C'est pas grave. Alors, franchement, c'est pareil. Il est super joli, le jeu, quoi. Alors, bien sûr, sur l'écran de la Switch, il est encore plus beau, vu que c'est une plus petite résolution. Mais franchement, ça déchire. J'ai pas été là-haut? Attendez. Alors, le gameplay, ça a pas tellement changé. Il y a quelques petites phases de gameplay, quand même, si, qu'on changeait, on va dire. C'est quoi, ça? What? Prends une photo de cet indice. Vous pourrez la consulter à tout moment. Vas-y, photo. Voilà. Yes. Impeccable. Alors, oui, je vous disais, au niveau du gameplay, ça a pas spécialement changé des autres Mario, je dirais de Super Mario Sunshine, ça a pas spécialement changé. De Super Mario Galaxy, je sais pas parce que j'y ai pas spécialement trop joué. Je vous dis, j'ai pas kiffé. Il y a quelques nouveautés quand même, notamment ce joli roulé-boulet que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une nouveauté, c'est plutôt sympa. Enfin, quoi que je dis, c'est une nouveauté, je sais même pas, ça se trouve, il était dans Super Mario Galaxy, hein. Je sais pas du tout en fait. Alors au niveau du gameplay, dans les nouveautés, bah il y a la cascade maintenant, hein, pour prendre le contrôle des bestioles un petit peu. Les sauts en longueur qui sont toujours là, donc ça c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'Odyssée. Hop, voilà, on va mettre son chapeau là-dessus, c'est impeccable. Normalement, j'ai assez de lunes pour faire le plein, donc c'est nickel. Je reviendrai par la suite sur ce monde-là pour récupérer les lunes que j'ai perdues. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'avancement des choses. Voilà, yes. Et je vais vous montrer exactement où j'en suis dans le jeu. L'Odyssée a gagné en puissance. It's good. Ah, et regardez, là, on va atteindre un nouveau monde. Je crois que c'est au monde de la neige que je vais maintenant. Ou au monde du lac. Au pays des neiges. Voilà, prépare-toi Bowser, on arrive. Yes. Alors je vous dis, regardez, j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mondes. Je suis au 10e monde là. Il me semble qu'il y a 16 mondes, un truc comme ça pour finir le jeu. Donc pour vous dire que je l'ai déjà bien torché, hein. Donc on va aller au pays des neiges tranquillement. Oh mon pays des neiges, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment. Oh, regardez ça. C'est magnifique. Quand il part avec l'Odyssée comme ça, j'ai envie de chialer. C'est tellement beau. Ouh, c'est quoi ça? On dirait qu'il approche de l'atmosphère, mon vieux, du soleil et tout, là. C'est super beau, quand même. Moi, j'aime bien. C'est stylé. Bon, après, la Nintendo Switch, c'est pas de la PS4 ou de la Xbox One. Hein, ça reste de la Switch, hein. C'est voilà. Mais c'est quand même beau, moi j'aime bien. Tu crois que Bowser a l'intention de traquer avec l'élixir Exki? Alors l'élixir Exki, c'est ce que j'ai récupéré en fait dans le pays de la mer. Donc ça c'est plutôt cool. Les préparatifs du mariage avancent. Bon. Si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture, là il va m'expliquer un petit peu des tutoriels, toujours. Truc de voyage, saut de charge au sol. Je sais déjà comment qu'on fait, merci, t'es pas obligé de me le répéter. Ah, visiblement ça pèle là-bas. Les autochtones aiment faire la course. Et le prix à gagner est un délice de neige. Ça me plaît. Je prends. Yes, pays des neiges. Le cadeau empoisonné des Brudals. Bro, Sakai, on ferait mieux de se remuer. Oui, on va se remuer. Voyez que vous avez les objectifs. Toujours, c'est indiqué. Hein. C'est même indiqué sur la carte, en fait. Voilà, à chaque fois que vous avez un objectif, c'est indiqué juste ici. Donc, vous avez une carte. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous avez des petites informations à chaque fois sur la région dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est plutôt sympa. Et je vous le dis, moi, Mario, c'est Rapa Simulator pour moi. Je laisse rien passer. La moindre pièce, je la ramasse. Hein. Et je peux vous dire que je fouille tout de fond en comble. Ouah, cette eau est glacée, sort vite. Ah, merde, ok, je perds de la santé. Putain, je suis en train de congeler, mon vieux, c'est un truc de fou. Et c'est là quand même qu'on se rend compte que les Mario ont vraiment beaucoup évolué depuis les années, quoi. C'est un truc de malade. Écoute, on entend quelque chose sous la neige, non? Ouais, comme des grelots de Père Noël. C'est vrai, ça? Attends. Oh, regarde. D'accord. Il y avait un trou. Ok, peut-être petit monde bonus. La bande sonore, écoutez. J'adore vraiment les musiques dans ce jeu-là. Je trouve qu'ils sont super bien choisis, quoi. Ouh, ça, je prends. C'est la monnaie de la région. Flon, tu t'en vas déjà? À la prochaine. Non, je m'en vais pas, t'inquiète. Je viens d'arriver, tranquille. D'ailleurs, le tout premier monde du jeu, que ce soit dans l'ambiance ou au niveau musique, il m'a beaucoup fait penser à Luigi's Mansion. Et voilà, le premier monde de Super Mario Sunshine, il m'a fait penser à ça.
De Super Mario Odyssey. Je suis parti sur Sunshine, moi. Ah, j'ai pas assez pour y acheter la tenue de l'Eskimo. Bon, c'est pas grave. Ouh, la tenue de pirate. Ouais, je vais t'acheter ça, je pense. Vas-y. Il déchire. Avec sa tenue de Jack Sparrow, là. Regardez ça, il est pas stylé, le petit Mario, comme ça. Franchement, il déglingue. Moi, j'aime bien. Donc, on a une porte là-bas. On a certainement... D'accord, une porte là-bas. On a des portes un peu partout. Écoute, je vais tenter d'aller sur celle-là. Voilà, on va voir un petit peu où ça mène. Des fragments de lune. Oh putain, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça, mon vieux? Les fragments de lune, faut les ramasser. Parce qu'en fait... Putain, saloperie. En fait, dès que vous avez 5 fragments de lune, vous avez une lune complète. Putain, mon vieux, c'est chaud. Putain, c'est pas vrai. Vas-y, yes. Vas-y, viens ici. Voilà, impeccable. Viens ici. Oh! Oui! Ça passe! Oh putain. J'ai failli me faire bouffer, mon vieux. Est-ce que, à mon avis... Ouais, yes. Ah, yes, il y a un coffre. C'est cool. Voilà. Yes! Et donc, du coup, c'est ça le but du jeu. C'est vraiment de ramasser toutes les lunes pour partir à la recherche de Bowser tout le temps. Alors, je vais pas en faire un let's play. C'était simplement pour vous présenter un petit peu le jeu en vidéo comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde. Bye bye!